Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la présentation de l'épisode de Starbound V4 Please the Giraffe. Donc chers amis, nous sommes à cette fois-ci sur une planète de type désert, donc qui est différente des types arides. Et on y descend rapidement. On y descend et on va aller l'explorer, même si on a, comme vous le voyez, donc toute l'intégralité de la tenue désert. Donc ça c'est pas grave, pourquoi? Tout simplement parce que sur ces planètes de type désert, il y a d'autres biomes tout simplement sur que l'on peut retrouver. En l'occurrence, le tar biome et le biome colorful, donc celui de l'arc-en-ciel. Donc, on va aller voir ce qu'on peut réellement y retrouver. Hop. Car dans ces deux biomes, enfin principalement dans le biome tar, il nous manque des choses. Faut-il les trouver? La planète est assez petite en plus, qui plus est. Ce qui n'est pas très très pratique. Vous en conviendrez. Hop. Parfait. Excusez-moi. Je me suis pété la voix ce matin. Oh, un coffre. Rien de bien intéressant dedans. Il n'est pas hostile. Qui en soit une bonne chose. Alors, il y a là des cadavres. Il y a là des pixels aussi. Pourquoi je bouge à chaque fois? Alors ça je comprends pas encore. On trouverait bien la réponse à cette question un jour. Oula, mais il semblerait que je sois suivi en plus. Hop, c'est fini. Alors, ah le voilà, le biome tar. Parfait. Au passage on en profite. Ah, on touche l'arbre, d'accord, intéressant. J'aurais pas juré qu'on le touchait, vous voyez. C'est intriguant. Hop, voilà. Parfait. Rien d'extrêmement intéressant par là. Rien d'intéressant non plus ici. Hop. Donc une maison en biome, enfin de biome. Pendant aucun coffre. Aucun coffre. Pas le moindre. Winter Scarf. Encore une. Hop. Donc apparemment, aujourd'hui nous sommes le 26 ou le 27. Le 27 novembre, il semblerait que la bêta arriverait, à mon avis, la bêta de la... Enfin, le Nightly Build de la Combat Update arriverait potentiellement en début de semaine prochaine. Donc samedi 28, dimanche 29, lundi 30 novembre. Ou mardi, enfin, en début de semaine, dans la semaine du 30 novembre, on va dire. On va dire ça comme ça, parce que sinon... Je risque d'avoir des pépins. Toujours pas de coffre. Sauf si ça c'est un coffre, mais ça m'étonnerait. Non, ça n'en est pas un. Hop. On continue. Y a rien là. Zéro coffre, hein. C'est... catastrophique. Ok. Merci. C'est un village complet. C'est un village complet. Mince. Alors, les villages dans les biomes comme ça, c'est pas top du tout. Voilà, parce que... on a perdu le biome, potentiellement. On a perdu le biome. Génial.
Connard de glitch. Alors, n'allons pas trop vite pour ma connexion. Pauvre connexion. Aïe. Oh, intéressant. Et il y avait bel et bien un coffre. Pas grand chose d'utile dedans, mais c'est toujours sympathique. Hop. Bonjour. Vous aviez 3 carottes, excusez-moi de vous les prendre. Et je pense qu'on a fait le tour d'Alvin parce qu'elle a pas les petits. On va revérifier ça, hein, mais. Ah non. Non, non. On n'a pas fait le tour encore. Hop. Ou alors c'est que je l'avais raté. Oh oui, je pense qu'on a fait le tour parce qu'elle a pas non plus les. Bon, on retourne, on retrouve le biome tar. Oui, oui, elle a fait le tour. On a fait le tour. On retrouve le biome tar. Et on va aller creuser un petit peu dedans quand même. Parfait, on l'a. Hop. Alors, une petite caverne. Là aussi, ça descend. Hop. Et alors, il a fallu que j'ai une DB pétoche. J'en ai pas. C'est vraiment dommage. On quitte le biome, ce qui ne m'intéresse en aucun cas. En aucune mesure, pour ceux qui préfèrent. Hop, on descend aussi par ici. Oh, casse-toi l'oiseau. Alors, ça me semble être un peu vide comme biome. Ah, un coffre, ça y est. Alors, Sabertooth Spear. Intéressant. Qu'est-ce que c'est? Ah, je l'ai pas équipé. Hop. Oh. Touché. Tu es ralenti. Raté. Hop le. Bon, t'as été correctement éjecté. Hein. Là, je veux bien te l'accorder. Tu as été correctement éjecté. Hop. Dégage. Raté. Raté. Alors, les autres coffres. C'est le même celui-là, oui. Oh là, je commence à me perdre dans mes propres cavernes, c'est pas bon signe. C'est dire si je suis fatigué. Alors, là on quitte le biome, c'est pas intéressant. On a trouvé qu'un seul coffre, c'est pas top. Rien du tout. Ah là là, on n'est pas chanceux. On n'est pas chanceux, on n'est pas chanceux. On n'est plus dans le biome de toute façon techniquement. Mais je suis en train de faire des trous autour un petit peu pour voir s'il n'y a rien, mais il n'y a vraiment rien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à creuser de là. Hop. On verra bien. Hop. Hop. Et bien, on n'a pas beaucoup de bol, hein. Y a pas grand chose. On redescendra un petit peu avant de refaire une petite coupe comme ça. Hop. Toujours rien. Catastrophe. Ah, c'est vraiment la dèche, hein.
pas d'autre terme. Rien du tout. Incroyable. Incroyable. Pas une seule petite caverne. Pas la moindre. Et B. En plus, j'entends les portes du village glitch. Donc on arrive techniquement en bout. Voilà. Hop. Voilà. Il y a strictement rien. Oh, dis donc. Cet échec. Ça pue du cul, ça pue du cul. Bon. Ok, on a au moins un stack de merde. En plus, je suis suivi apparemment. Hop. Ok, on progresse. Je vais juste quand même au cas où. Ah oui, il y a le temps encore. On en a fait des kilomètres, hein. Voilà. Hop. Il y a vraiment strictement rien. Je pense que ça vaut même pas la peine de faire une troisième couche. On va essayer de la faire quand même, hein, mais... C'est pas bon signe. Ok. Bon, bah ça pue. Ces biomes sont complètement vides. J'aimerais m'en sortir, s'il vous plaît. Merci. Hop. Et en plus on se bouffe une tempête de sable à la hauteur de... Enfin au niveau de la planète. Génial. Hop. Bon. Eh bah écoutez, on va remonter sur le vaisseau et on va mettre fin à l'épisode ici. Je suis désolé, malheureusement on n'a rien trouvé de plus intéressant sur cette planète. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas donc à rejoindre le serveur aussi, donc Starbound, dont vous pouvez retrouver l'adresse IP et le port directement ou dans le groupe Steam lui aussi. Encore une fois, merci à vous pour votre fidélité, merci d'être toujours aussi sympathique. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop.